Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h35 et on va accueillir Draghi et on va parler d'un tout petit truc. Vu qu'on nous dit qu'on parle jamais de projets créatifs et tout le bordel, eh ben en soi on va parler un peu de ça et tout. Mais avant ça, on va accueillir quelqu'un qu'on n'a pas accueilli depuis fort longtemps parce que aussi également en fait, on va parler de lui dans la capsule suivante. Non, dans la... Là non. Oui, ben on peut le mettre dans la capsule suivante. Vas-y, tu sais quoi? On le met dans la capsule suivante. Voilà, tu vois. Comme ça, il sera pas venu pour rien. Et puis c'est un peu l'opposition. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu. Pierre, Greg, faites monter l'homme qui fait trop de blagues pourries. Et nous allons lui mettre un ultimatum. Draghi, m'entends-tu? Bonsoir, Scheisel. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Greg. Et bonsoir, le Scheiselista. C'est incroyable. Draghi, ce soir, si trop de blagues débiles, moi muté, toi. Toi. Non, attendez, on va faire autre chose. Draghi, moi, camarade Scheisel, moi, passé communiste, toi, devoir bien comporter ce soir. Sinon, moi, chafouin, prendre le tour et mettre au... Oh putain, j'arrive pas à... Comment on dit Dragoulag avec l'accent russe? Eh, dis donc... Comment on dit Dragoulag? Dragoulag. Ça te va pas très bien de fréquenter les communistes, dis donc. Non, j'essaye copier moustache camarade Paduling. Ah, mais ça me fait... Non, mais je vais être tranquille parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été sur les lives et ça m'a trop manqué. Bonsoir, Némé. Bah écoute, ravi de t'avoir ce soir. Bon, alors, on va commencer par un petit truc et tout tranquille. Merci Starlords98 pour le deuxième mois de sub. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais merci à toi quand même. Yummy yummy, subs de so good. Merci Panda... comment ça s'appelle? Bonsoir PandaHob. Du coup... Bon, bonsoir Chris aussi. Du coup, on nous dit souvent qu'on fait que du drama, donc du coup, on va envoyer un énorme taquet à tous les fils d'up qui nous cassent les couilles avec ça. Du coup, la semaine dernière, ils m'ont trop cassé les couilles. Et quand on me casse trop les couilles, en fait, Pierre est bien placé pour le savoir. Il y avait des moments l'an dernier où j'étais très chafouin et où on aurait dû bosser. Et puis, en fait, j'avais besoin de défoncer les cordes de ma basse. Je crois que la basse était devenue l'ennemi principal de Pierre. Mais... Non, même pas. Même pas. Je préfère que t'extériorises comme ça. Au moins, tu fais quelque chose de très productif. C'est pas faux. En plus, j'apprécie. Bah vas-y, bah parfait. Donc, du coup, comme on m'a cassé les couilles un peu trop la semaine dernière, si tu veux, je me suis dit le meilleur moyen d'extérioriser, c'est de vous partager un truc qu'on était en train de bosser en bac et tout. Et donc, du coup, alors la musique n'est pas finie, il manque plein de parties et tout. Alors, niveau voix, normalement, celle-ci, elle devrait pas avoir trop d'ajouts. Donc, du coup, c'est principalement une instrumentale. Par contre, j'ai toujours pas commencé à composer la basse. Donc, du coup, on va dire qu'il manque bien 30% du morceau, on va pas se mentir. Donc du coup, je vous présente OVNI, pour ceux qui se demandaient pourquoi le OVNI il est écrit comme ça, ça veut dire 0 volume number 1. Le WIP, c'est pour le Work in Progress, le Alpha, c'est pour dire où on est, à quel stade on en est du développement du projet. Et donc du coup, ça ressemble à ça, il va falloir que tu scrolles ma main. We'll be right back.
que ça réagisse autant et tout. Je suis ravi que ça vous ait plu, hein, personnellement. Pas forcément la soir, mais en règle générale et tout. Ça a même plu à Pierre. Non, mais le beat est bon, ouais. Hein. Le beat est bon, faut le dire. Hein. Tu gères bien la rythmique, mon salaud. Merci bien, mon cher. Merci bien. Alors, encore une fois, on était deux sur la composition. Mais ravi que ça vous ait plu. Mon cher Pierre, tu allais dire un truc, vas-y. Je me souviens plus, chef. J'avais dit même à Pierre, ça a plu. Et t'avais commencé à réagir là-dessus. C'est pour ça que c'est archi bien. Mais il y a beaucoup, quasiment. Alors, je vais peut-être pas dire l'ensemble parce qu'il y a peut-être des morceaux que j'ai. Oh oui, non, je t'ai pas fait tout écouter. Mais moi, je peux dire que quasiment tout. Ah, on a un problème de co. On a un problème de co. Tu m'entends? Ah, bonjour. Bon. Je suis la co. Bonjour. On t'a perdu à tout ce que tu m'as et puis ça a coupé. Alors, je pense que de tout ce que tu m'as fait écouter, j'ai tout apprécié. Hein, ouais, grossièrement, c'était ça. Il semble pas qu'il y ait des titres qui m'aient moins plu. Hein. Et alors, du coup, il y a des gens qui ont commencé à me dire et tout, oui, mais pourquoi tu caches des trucs comme ça et tout, pourquoi tu nous caches tout ça et tout, et donc du coup j'ai commencé à taquiner, et donc du coup j'ai commencé à vous dire, mais si vous saviez le nombre de trucs qu'on vous cache, et quand, enfin, on pourrait continuer comme ça, jusqu'à la fin des temps, en fait, vous avez pas compris, en fait. Et ils comprennent pas, les gens, c'est pour le business, on sort un morceau pour donner envie, puis après on vend l'album, tout simplement. Vous avez pas compris, en fait. Ça me fait rire, parce qu'ils sont tous en train de me dire, oui, fais du drama pour faire des chiffres, vous avez pas compris, moi je veux que ça fasse des chiffres, en fait. J'en ai rien à foutre, moi, que les vidéos où je parle de l'autre tapin de Serbe, si tu veux, ou le mec qui va fracturer ma boîte aux lettres, elle fasse des vues, je m'en tartine le fion. C'est moi, ça m'intéresse que ça fasse des vues, par contre. Mais donc, du coup, voilà, donc ça se présente comme ça, donc si on se démerde bien en 2024, cette année, vous aurez un maxi du nom de Boot. Le Boot, il contiendra trois titres, Ovni, Digislat, Fonka. Vous les connaissez, les deux autres et tout, c'est juste que vous connaissez pas leur nom. Normalement, en 2025, si on démerde bien, en première partie, on va tenter de sortir l'EP. L'EP, il s'appelle Random Access Melody. Oh, c'est rigolo, ça fait un jeu de mots avec la RAM. Oui, t'es un génie. Du coup, il y aura six titres dessus, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et puis, comment ça s'appelle, du coup, si on se démerde bien, en fin d'année 2025, du coup, il y aura l'album et tout le bordel du nom de Beat Lizard. Et Beat Lizard, il fait... Alors, là, il y a marqué 19. C'est faux. Beat Lizard, il fait pas 19 pistes, il en fait 20. La 20e, c'est la chanson de la truite. Donc, du coup, comment ça s'appelle, c'est juste que j'ai pas rajouté en 20e la chanson de la truite, tu vois. Mais typiquement, il n'y a pas 19. Et une surprise. C'est... Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Sur Spotify soon, chef, bah, quand ça sortira. Ce qui est genre, là où je suis gentil, si tu veux, c'est que, comment s'appelle, OVNI, que je vous ai fait écouter, c'est la toute première. C'est la toute première. Donc du coup ça va, j'ai pas fait ma salope. Enfin si, quoique, étant donné que je vous ai déjà fait écouter Data et Reborn, si, j'ai fait ma grosse salope. Pour toutes les personnes qui aiment bien Reborn, oui, j'ai fait mon énorme salope. Ouais, ça je vous l'accorde, monsieur. Mais donc du coup voilà, donc comment ça s'appelle, c'était juste pour vous donner un petit avant-goût et tout, j'espère que ça vous aura plu. C'était sans prétention, c'est pas travaillé, hein, en soi, le comment ça s'appelle, le mix, je l'ai fait à l'arrache. Les versions définitives seront mixées par le noble Craig Gallard. De quoi? J'ai pas compris. Oh, ça m'a pris 5 minutes, c'était tranquille. De quoi? Non, ça m'a pas pris 5 minutes, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est juste que un mix, ça prend des semaines. Moi, j'ai vu. Ouais, toi, t'es là avec tes grands yeux. Ah ouais, c'est trop génial. Et lui, oh, j'ai fait ça pépère. Non, c'est pas ça. C'est qu'un vrai mix, ça prend des semaines et des semaines, tu veux. Moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai fait ça. C'est moi, j'ai équilibré vite fait, j'ai foutu 3 effets, si tu veux, j'ai fait c'est une alpha, je m'en bats les couilles, tu vois. Tu fais une compile de ce genre de musique et tu les mets dans un métrage à la, comme ils ont fait Daft Punk avec Interstellar 5555, ouais. T'as pas tout seul, hein. Moi, on me dit souvent ça, ou souvent jeu vidéo, c'est à chaque fois, si tu veux, c'est le truc jeu vidéo, sachant qu'il y a Nerds dans le nom du groupe, moi ça me va, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2-3 qui ont dû comprendre que ce machin était le projet originel, vu qu'il a la même police pour le Chisel et le Nerds. Ils sont 3 à avoir compris ça, monsieur. Félicitations à tous les 3. C'est le projet de base, c'est ce machin. C'est pas la box, c'est pas le plus, et c'est pas la plus, et toutes ces conneries. C'est fabuleux. Mais ouais, c'est pour ça que ça a la même police. Vous êtes des génies, là, les 3 qui avaient compris, monsieur. C'est tous les autres, ils vont faire genre, ils ont
ont compris comme vous, mais en fait, non, il y avait que vous trois. Bref. J'avais tout compris. Oui, oui, bah voilà, ça y est, ça commence. Moi, je n'avais rien compris, j'assume. J'assume d'être con. Bref, tu l'avais pas déjà dit. Si, je l'ai déjà dit. Bon, c'est à toi, médecin de la peste. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter l'algorithme, nous joindre sur Kick ou sur Trovo, bien évidemment. Et puis voilà, mon cher Greg Sandborn. Moi, je sais pas, je réfléchis. Vas-y, somme toute oui. On va rester dans la musique. De ses partenaires. Vous déteste, bande de fils de... Bière, comment je coupe cette merde ? Bouton rouge. Et merci bien, merci bien, merci bien, merci. Toujours, c'est fatigant. Mais oui.